Ngồi chỗ. Ông chủ nhiệm đại học Cảng Tàu các trường đại học để vị trí sản phẩm cả nâng đào vị trí cả chuyên từ đồng bằng sapa nhà anh đã chiết đồng bị Cảng Tàu các tăng thâm nội đỉnh đầu dịch vụ xã xây sông chơi. Monsieur le Président, je crois que Madame le témoin n'a pas encore son casque sur la tête. Peut-être qu'il faudrait lui demander. Merci. Merci. Bon après-midi, Monsieur le Président, et Mesdames et Messieurs les juges, bon après-midi, Madame le témoin. Nous allons poursuivre avec quelques autres questions cet après-midi. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à votre ancien chef, le ministre de l'Information et de la Propagande, Monsieur Hu Nim? Je voudrais, Monsieur le Président, pouvoir donner lecture du procès-verbal d'audition du témoin E3-43 concernant ce qui est arrivé à Hu Nim. Il s'agit en khmer de la page 5 de l'IRN 00-35-72-21. En français de la page 4, à l'IRN 00-40-29-92, et en anglais à la page 5, IRN 00-36-56-60. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, si on peut projeter cette page 5 en khmer sur l'écran. Merci, Monsieur le Président. Donc voilà ce que vous avez déclaré devant les enquêteurs des juges d'instruction, Madame le témoin. Vous avez dit ceci. Je cite, Hu Nim a été arrêté en 1977, après que j'ai quitté corps 8. Et un peu plus loin, vous avez dit, Sao a été arrêté en 1977, c'est-à-dire après l'arrestation de Hu Nim. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Madame le témoin, sur ce qui est arrivé à Hu Nim? Merci, Monsieur le Président. D'accord, merci. À l'époque, comment avez-vous appris l'arrestation de Hu Nim et puis celle de Sao? Hu Nim nâng chap khluon Sao ni doi rabiep na dai? Kana lư tam nea nâu jamuoy nâng prap to to khni. Thay ke chap Sao tơ bat hai. Et vous souvenez-vous précisément de qui, parmi ces autres personnes, ont prononcé, ont donné des détails ou ont dit que Hu Nim et Sao avaient été arrêtés? Pourriez-vous donner des noms et être plus précises concernant les personnes qui ont parlé de cela?
Merci. Et est-ce que votre mari vous a interrogé à plusieurs reprises concernant vos relations avec Hu Nim et Sao? Est-ce qu'il a commencé à vous interroger à propos de l'arrestation de Hu Nim ou de vos relations avec Hu Nim et Sao longtemps après leur arrestation? Ou bien c'était juste après? Et lorsqu'il vous a parlé de cette arrestation, est-ce qu'il vous a dit de quoi Hu Nim et Sao étaient accusés? Est-ce qu'à l'époque vous saviez ce que cela voulait dire être agent de la CIA sous le Kampuchea démocratique? Donc est-ce qu'être agent de la CIA ou CIA, c'était être un traître ou être un ennemi au régime? Tout à l'heure, vous avez dit que votre mari avait rapporté le fait que vous aviez été dénoncé. Comment votre mari savait-il que vous aviez été dénoncé? Et par qui aviez-vous été dénoncé? Est-ce qu'il vous l'a dit? Est-ce qu'à l'occasion de ces trois ou quatre conversations, ou en tout cas les questions auxquelles votre mari vous avait soumis, est-ce qu'il a jamais parlé d'aveu?
Merci. Selon ce que vous avez appris à l'époque, est-ce que quelqu'un est intervenu en votre faveur concernant ces liens supposés ou réels entre vous-même qui aviez travaillé pour Hunim et Sao? Est-ce que quelqu'un est intervenu pour empêcher que vous soyez arrêté? Selon vos connaissances, qu'arrivait-il aux personnes qui étaient emmenées de la sorte à la suite de dénonciations? Est-ce que lorsque votre mari vous a posé toutes ces questions concernant Hunim et Sao, est-ce qu'il agissait en tant que mari ou en tant ou dans le cadre de ses propres fonctions? Je voudrais, Madame le témoin, vous lire le compte-rendu de l'interview qui a été faite par SOAS en juillet 2005. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce qui est écrit. Monsieur le Président, il s'agit en Khmer de la page 4 du document D224.16. Et en Khmer, l'IRN est 00590191. En français, il s'agit de la page 2, l'IRN 00644742 et en anglais de la page 1, IRN 00089699. Avec votre autorisation, je voudrais qu'on puisse projeter ce document à l'écran. Donc voilà ce qui a été rapporté dans ce compte-rendu. Il est dit que vous auriez dit, je cite, « Lynn m'a menacé tous les jours, me demandant ce que Hunim m'avait dit, quelle éducation Hunim m'avait donné, me disant que j'étais impliqué dans les réponses. Je savais que si j'étais prise, je serais morte. En fait, Lin voulait que je me fasse arrêter pour se protéger lui-même, mais Pol Pot ne l'aurait pas permis. » Fin de citation. Est-ce que cela reflète bien les propos que vous avez tenus lors de cette première interview? Comment saviez-vous que si vous aviez été prise, comme le dit le document, vous seriez morte? Sur quels éléments vous vous basiez à l'époque pour savoir qu'être emmené, c'était mourir? Moultan,
Stung miên chay, cái này nó chỉ cái này ao tàu thưa sài, sài đang chỉ giờ tàu nào tiếp có kiểu mình đang này. Et qui vous a parlé de ces deux endroits, Talei et Stung Menchay? Talei et Stung Menchay. Merci. J'en viens à un autre sujet. Vous avez parlé du fait que Lin avait surtout travaillé avec Pol Pot, qu'il avait remplacé Pang à la tête du bureau 870. Est-ce que, à votre connaissance, Lin a-t-il aussi travaillé directement ou indirectement avec Nguyen Chia, c'est-à-dire à partir de 77-78, c'est-à-dire avant et après l'arrestation de Pang? Est-ce que vous avez des informations concernant ces relations de travail éventuelles avec Nguyen Chia? À l'époque du Cambodge démocratique, est-ce que vous saviez quelles étaient les fonctions de Nguyen Chia au sein des dirigeants du Cambodge démocratique? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'avant avril 1975, Nguyen Chia avait animé des sessions de formation politique. Est-ce que après avril 1975 et jusqu'en 1979, vous avez revu Nguyen Chia? Objection, Your Honor. The witness told us this morning that. Sa thai kum adon thlai top phom chei damnang tha er lok mitvi antrachet ka pe kdai lok Nguyen Chia. It's not a terribly controversial point, but it goes back to something my colleague was saying this morning about my colleague across the stage characterizing the evidence. The witness this morning said she attended a single political education course. She did not say that Nguyen Chia ran political education courses. So if the evidence could be given back to the witness as she presented it, then we wouldn't object. Monsieur le Président, je crois que là, il s'agit de jouer sur les mots. Si j'ai bon souvenir, Madame le témoin nous a dit que Nguyen Chia avait donné des formations, des sessions de formation politique. Mais ce n'est pas vraiment l'essentiel de la question. C'est la question de savoir si Madame le témoin aurait revu Nguyen Chia entre avril 1975 et janvier 1979. Merci bien, nous allons revenir à K3 dans un instant. Est-ce qu'à l'époque du Cambodge démocratique, vous saviez qui était Kang Gekiu alias Duch?
tập tài school nào năm cao sập bay bị môn mờ ở đại school thì merci. Sous le Kampuchea démocratique, selon vos connaissances de l'époque, qui était ce Vasi alias Deun? Est-ce que cette personne a été arrêtée à un moment ou à un autre sous le régime du Kampuchea démocratique? Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais lire un passage du procès-verbal d'audition, Madame le témoin, qui porte toujours donc la cote E3/43. Il s'agit en khmer de la page 7, IRN 00357223. En français, de la page 6, IRN 004-02-994 et en anglais, page 7, 00-36-56-62. Avec votre autorisation, si je peux également demander qu'on puisse projeter cette page à l'écran. Voilà, il y a une question qui vous a été posée par les enquêteurs des juges d'instruction, qui était la suivante. Avez-vous entendu parler du nommé Sir Vasi alias Deun? Et vous avez répondu, j'ai entendu parler du nommé Deun et de son arrestation également. Mais je ne savais pas si on a arrêté Deun avant ou après que Lin soit en charge de 870. Fin de citation. Comment avez-vous appris alors l'arrestation de Deun? Vous avez dit tout à l'heure que Lin vous avait emmené à K8, qu'il vous avait accompagné, je crois, ou emmené à K11. Qu'il était également allé à K7. Est-ce que Lin avait la possibilité de se déplacer librement dans Phnom Penh? Est-ce que vous avez appris si votre mari se rendait parfois au ministère des Affaires sociales ou au ministère des Affaires étrangères? Concernant Kyu Sampan, je voudrais lire un tout petit extrait du document SOAS D224.16
et ensuite demander alors au témoin si elle confirme ou si elle infirme ce qui a été dit. Monsieur le Président, il s'agit donc du document D224.16 en Khmer de la page 3, IRN 00 59 01 90, en français de la page 2, IRN 00 64 47 42, et en anglais de la page 1, IRN 00 89 699. Si on peut également projeter ce document à l'écran, Monsieur le Président. Donc voilà ce que vous aviez déclaré selon le rapport qui a été fait par l'organisation SOAS. Et je cite, Hem, c'est-à-dire Kyu Sampan, était un supérieur de Pang et Lin, pour autant que j'ai pu m'en rendre compte. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Durant le Kampuchea démocratique, est-ce que vous avez vu Kyu Sampan et où l'auriez-vous vu? Est-ce que c'était, vous avez tout à l'heure parlé du fait que vous aviez vu Nun Chi à K3 lors d'une formation, est-ce que c'était à la même occasion que vous aviez vu Kyu Sampan à K3? D'accord, mais est-ce que c'était à la même période, à la même date, que vous assistiez à une formation et vous l'auriez vu alors au repas, mais pas à la formation, mais le même jour? Concernant Pol Pot et le rôle de votre mari auprès de Pol Pot, vous avez dit donc qu'il était chargé de sa sécurité. Vous avez parlé d'autres personnes chargées de sécurité à K1. Je voudrais savoir si, concernant Kyu Sampan et Nun Chia, lorsque vous les avez vus, est-ce qu'ils avaient également leurs propres agents de sécurité? Est-ce que vous vous souvenez des noms des agents de sécurité de Kyu Sampan d'une part et de Nun Chia de l'autre? Vous avez parlé précédemment de K1 et de K3. 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 K3
Que saviez-vous de cas 1 et de cas 3 à l'époque du régime du Cambodge démocratique? À quoi servaient ces bureaux? Et quand vous dites les oncles, est-ce que vous pourriez être plus précise et nous confirmer de quels oncles il s'agissait? Est-ce que vous êtes jamais entré à K1 ou alors est-ce que vous êtes rendu tout près de K1 de telle sorte que vous pouviez voir ce qui s'est passé? Quand vous cherchiez des légumes, est-ce que vous étiez toujours sur le périmètre de K8? Nous avez dit tout à l'heure que K8 était proche de K1, est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Est-ce que d'après ce que vous avez observé de l'extérieur, est-ce que K1 était bien gardé? Vous avez dit avoir vu des femmes de dirigeants sur place. Quelles femmes de dirigeants avez-vous vu à K1? Pourriez-vous nous préciser les noms de l'épouse de Khieu Samphan et de Nun Chia, des deux épouses de Khieu Samphan et de Nun Chia? Merci. Et le nom de la femme de Nun Chia, est-ce que vous vous en souvenez? Je crois que j'ai eu un petit problème d'interprétation. Je n'ai pas alors entendu le nom de la femme de Khieu Samphan. Est-ce que vous pourriez répéter son nom, s'il vous plaît? Ja, ប្រពន្ធអ៊ំខៀវសំផនឈ្មោះរិន
Merci. Comment avez-vous pu reconnaître les épouses de Nunchia, de Kusampan, de Chim et de Tan? Si vous les avez reconnues, est-ce que cela veut dire que vous les aviez déjà vues auparavant? Est-ce que ces quatre femmes suivaient en général leur mari ou quand, lorsque vous les aviez vues en dehors de K1, est-ce qu'elles étaient là sans leur mari? Est-ce que vous auriez rencontré toutes ces femmes à K3 ou bien vous ne les avez pas vues sur place? Et lorsque vous êtes allé à K3 pour cette formation, est-ce que c'était avant ou après que vous les ayez vus à K1 lorsque vous récoltiez des légumes? Pourriez-vous nous dire sur quoi portait la journée de formation que vous avez suivie à K3? Tout à l'heure, d'après ce qui a été traduit en français, vous avez dit que vous êtes allé une fois à K3 pour y suivre une formation. Est-ce que vous revenez sur ce que vous avez dit ou est-ce que vous pouvez préciser si c'est bien cela que vous avez dit? Comment cela se fait que vous avez tout d'un coup eu l'autorisation d'aller à K3 pour visiter votre mari? Vous dites que vous n'y êtes allé qu'une seule fois. Est-ce qu'il y avait des circonstances exceptionnelles qui ont fait que vous avez pu vous rendre à K3? Merci. Est-ce que vous pourriez décrire K3? Comment ça se présentait une fois que vous rentriez dedans? Qu'est-ce que vous voyez dans K3 lorsque vous étiez à l'intérieur? K3
khơng ông ông quạt tới phi sa bài hay ñom nơ tẹt sêng tiê mần miên khơng ai tê. Est-ce qu'il y avait plusieurs bâtiments dans l'enceinte de K3 ou était-ce un seul bâtiment? Et juste aux fins de précision, vous avez dit que vous avez vu les oncles manger ensemble. Est-ce que vous pourriez encore une fois préciser quels étaient l'ensemble des personnes que vous avez vues manger ensemble et que vous appelez les oncles? Mien om Pol Pot, om Nuon Chia, nang om Thieu Samphon, rat hop bai chum khnie. Merci Madame le témoin. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions et je céderai donc la parole aux avocats des parties civiles avec votre autorisation. Merci beaucoup. បាទអរគុណជាបន្តអញបាទសូមផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមសហមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក់សីរូបនេះប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានលោកស្រីចាងក្រុមនិងអង្គសមាជិកទាំងមូលលោកមេធាវីឡៅជន្ទីហើយនិងអេលីសាបេតស៊ីមីណូហ្វូនិងលោកសំណួរចំពោះសាក់សីរូបនេះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតបាទអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណជាដំបូងខ្ញុំបាទឡៅជុនធីជាមេធាវីដើមដឹងរដ្ឋមន្ត្រីនេះហើយក៏ជាមេធាវីមកពីអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជាផងដែរសូមគោរពអង្គជំរះសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពសហភិតាទាំងអស់នៅទីនេះសូមជំរាបសួរលោកស្រីនឹមសែមបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដែលជំរាបសួរទៅលោកស្រីថាតើកាលពីលោកស្រីមុនឆ្នាំ1975ហ្នឹងថាបានទៅទស្សនកិច្ចនៅឯបរទេសមានចំនួនប្រទេស13ថាតើនៅពេលដែលទៅទស្សនកិច្ចនៅទីនោះមានបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងបងប្អូននិស្សិតដែលនៅទីនោះដែរអត់ទេចាអត់បានប្រជុំទេបើអត់បានប្រជុំទេហើយសួរថាតើមានបានជួបអ្នកណាផ្សេងទៀតដែលបានក្នុងរយៈពេលដែលដើរទស្សនកិច្ចទៅតាមប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងតែទស្សនកិច្ចទីមួយមួយជួបតែទូតនៅទីនោះលោកស្រីថាបានជួបទូតនៅប្រទេសនីមួយៗថាតើបានជួបទូតនៅប្រទេសណាមួយដែរជួបនៅប្រទេសអាល់សេរីនៅអាល់សេរីហើយចឹងបានជួបបងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះដែរអត់ទេតាជួបខ្លះដែរប
nơi pin nút ban chu bom bom khmer nơi tin nút hay ta nẹt xây ban nơi dây tụm nẹt tụm nong chỉ mồi bộ quạt pi rương ở bay khan đấy ba dạ nhập mặt bàn nơi dây đây thò ở quân bạn nhưng bạn xong xua lục sấy thật lục sấy miên bon sấy mà nẹt để bàn thui ca nơi khang sấy mà bảo tá nơi khang sấy mà bảo nâng đằng tha quạt thui ca nơi lại cà rạt than ấy đáp à ដែលអត់ស្គាល់ផងដឹងតែស្រែអំផិលអរគុណអំបញ្ញមិញលើលោកស្រីបានលើកឡើងថានៅកបំបីគឺមានការដាំបន្លែហើយបានបន្លែបានផលបន្លែហ្នឹងបានយកទៅលក់នៅទីផ្សារខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងសម័យនោះ bàn phần lợi tập hòa nâng vô từ lụa nơi tìm xa sự nghiệp bò tên nâng lụa nơi cả lãnh nát đấy bạn. Chắc nhóm ạc bàn sủa đấy bàn khoan đăng thà bà lai nâng vô từ cả lãnh xa nâng đăng đầu trọng nát nhóm ạc đăng thà. Chưa ai đăng tiết tha ta vừa tha đăng thật tới vô tới lụa cái lại nông cho bự lụa nó miên ca đỏ đô chỉ lôi chỉ cá rư mùi giang mạch đại bạn cha cái nhóm ọt đăng tới đỏ đô biệt mà bạn ở cuốn cáp bị lục sợi ban từ tia sơn đã kết hói hay lục sợi ban vừa từ lọp màu vĩnh chồ từ Việt Nam tại mà đòn chân men đấy cha men thật ta nơi tin nút lục sợi ban thuê ở đại khách nơi Việt Nam à nơi gần đây nó cứ thọt chim riêng xâm rạp sai tam vật chủ lục sợi ban thọt chùm riêng sự nghiệp sai nơi ta một chủ ta thọt nâng ban tràn bọt đá hay bọt để lược làng ông pi bạn đi vót rồi môi bọt lược làng ông pi vậy đấy bạn dạ bọt lược làng pi bạn đi vót nâng bọt lược tuổi thì phải chia chân dương chạm mặt bàn có từ ở khốn cho lục sợi nơi tin nút bàn thọt chùm riêng hay cây pi ca thọt chùm riêng nắng lục sợi miền bàn thừa vậy tiệt tiến bàn cha ở miền vừa vậy thì ta khang sẽ được bạn nâng cho nơi tin nó nó là khá đa chìa nè ở An bỏ đầy miền sọc sái mà.
អរគុណនៅពេលនោះគឺអ្នកស្រីមានធ្លាប់បានស្ដាប់នៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលជាដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចជាការអំពាវនាវផ្សេងៗដែលផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនឹងដែរអត់ទេបាទ ទៅទីផាត់ចាំដែលជាបានឬផាត់ខ្ញុំផ្លេចដែរជាពិសេសនៅពេលដែលមុនបែកឆ្នាំ 1975 គឺមុន 17 មេសាណាថាតើលោកស្រីបាន ស្ដាប់ឬមួយបានដឹងអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីដែលតាមវិទ្យុនោះដែរឬអត់ទេបាទនៅពេលនោះបានស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំហត់ចាំ លោកស្រីដឹងថាតើនៅក្នុងវិទ្យុនឹងមានអ្នកដែលនិពន្ធដូចជាបទចម្រៀងបាញ់មិញហើយនិងអ្នកដែលទៅសេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានានឹងតើនរណាដែរបាទ ចា៎អ្នកនិពន្ធចម្រៀងនឹងខ្ញុំចាំតែ sau nâng muối hay bận quân xây xây nhúng miền bầm màn đẹp nhầm chằm đó miền chmuộc mi chmuộc con nhầm chằm đại tình này ọc cún chân nơi pil đài លោកស្រីនៅថាថានៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 1975 ស្រីថាអញ្ជើញមកពីវៀតណាមមកភ្នំពេញវិញតើការអញ្ជើញមកពីវៀតណាមមកភ្នំពេញវិញហ្នឹងមកជាមួយអ្នកណាខ្លះដែរបាទកាលមកនឹងខ្ញុំ mau chia nhạc trong tờ bạc đài tàu vận lai nó nâng trong ca nghe tiếng ọt nâu tì nó mau vinh tiếng ọt nông chùm nào nhạc đài chơi mau chìm môi lục sợi nâng ai score là nà khá thế bạn kéo bì trong tờ bạc ឧទាហរណ៍ថាក្រុមសិល្បៈស្គាល់ប្រមាណនេះហើយមីដឹកនាំនៃក្រុមនឹងស្គាល់ដែរអត់បានក្រៅពីក្រុមសិល្បៈមានតែលោកមីលោកខុននិងអ៊ំអៀងធីរិតត្រឡប់មកវិញ hay nâng xu bạn ở cún phim vừa từ lọp từ khang nơi cửa xuống khu sân ca đài nhà xây bàn thuê ca mùi được dạng nơi tin nông và ta នៅក្រសួងឃោសនាការនឹងលោកស្រីទទួលមុខងារការងារអ្វីខ្លះនៅទីនោះបាទ
khiêm ắt miền tụ tụ chỉ một nghề ấy tế còn chỉ nhẹ chăm tài tự thọt chỉ mà riêng hay nâng tự an rồi miền khác là tại con mình miền tua này tì ấy không đồng được ជាចម្ពោះដែលអ្វីដែលអ្នកស្រីលោកស្រីបានអានព័ត៌មានហ្នឹងតើមានចាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានហ្នឹងមានខ្លឹមសារសំខាន់អ្វីខ្លះដែរអត់ទេបាទ ខ្ញុំ ដូចជាបានចាប់អារម្មណ៍ពេលអានដឹងតើអាន យ៉ាង ខ្ញុំ មិនសូវចេះអក្សរអាន Chứ ta nơi nơi tin núc miền nhà an toàn miền phần màn nhà đây nơi tin núc miền nhà an toàn miền bông lái miền su đài cày mỏ miền một xuống một xây hay nó pro nhưng mặt trắng ta lúc xây đằng thà nơi cơ xuống khu sân ca ní miên nhẹ cục cron hay miên rạch chân sầm pon cục cron nắng miên giang đôi mình đặt lại bạn dạ nhầm hạt sầu Bạn ở cuốn. Nhóm chọn đăng thà nơi pil để lục xây chôn một đò Phnom Penh thà ban sáng ghét khơi nơi Phnom Penh nâng mình sập hiệp giang mạch đại bạc. Cho mọi đo từ bóng mình liền chia ai u o thì mình cái thiệp ngọc ngạt này mình khởi miền chia chân ấy thì chứng môn năng lực xây bàn vừa từ lọp màu miệt tổ và tế vĩnh ta lực xây bàn đăng tha miên ca chủng liệt và chia chân tranh vì Phnom Penh đại ở tế bạc cha bàn đăng khla đại lực thà chủng liệt chia chân tranh ở tận đầu cào hay xua thả ta ban đằng vì ca chủng liên này về chỉ chuẩn chính thả ta đằng tam là dạ ca sập sai vị chúc rùi môi đằng tam nẹn na prap rùi môi tam một chỗ bài ấy xem bạn bàn đang chia tu từ mà về đang nhận đặc đoàn rạp nè
អ្នកដឹកនាំប្រាប់បាននេថានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវិទ្យុនៅហាណូយឬមួយនៅណាបាទ Ban sĩ đây ta đăng nơi ca chùm liếc nâng đăng môn bêl nơi ca chùm liếc nơi khôn ông thằng ngày đọc bờ mê xa cho nam một quần muốn đôi chất dập rám rú muối đăng cao nhận bạn đăng cày khi mà sống xua tại mùi sầm nô đi sầm nô tiệt mùi sầm nô nít cứ khi em chọn chỉ miệp xua thà ba nhà ha đài kê chập lục hù nấm hỏi bữa đây lục sậy đài chùm lên nấm chết tay mà chơi chích xua lục sậy thật ta bê nung lính quạt miên bà rom bị rương ấy bàn thì quạt chết tay mà chích xua bị lục sậy thật ta miên ca bẹp bòn chỉ môi nâng lục sáu nâng lục hù nấm bàn bằng hạt bằng riêng lục sậy giang nội chân ấy thật ta lính nâng quạt bà rom bị ấy bà chả bên lúc nhom mình dồn bị chặt quạt đấy đang bị quạt bà rom khla chuột đấy rư coi giang na quạt chạy tay cao su nhom ô quân chỗ đó là để cởi mọc này, cởi mọc bàn này thả bài cho nam chất và phẩm buồn hãy có đai lực bì rương năng đai ọt tế bàn. Chà cởi bì chất và phẩm buồn mọc quật chụp nhóm quật như dây tháng bà sân chìa nhóm ọt chanh bì nôm bênh tế bà chìa chụp xài rồi chạy mềm tên. Mùi xung nô tiết cứ đòi xa hết ở với ban chia lục sợi ban cả ruột phót bì cả để đây lục sợi thà chọn và chun lục sợi tờ phần tái miên ca on ra cốm bì bột bột nhóm chọn đăng thà tá lục sợi ban school lục bột bột nâng tăng bì bì nam ở ban chia quạt ban on ra cốm chè chúng tôi school quật ba từ đầu thi công công bình vì môn vì môn nó nhưng mình đại khơi quật đấy bạn khi nhóm bạn sùng ở côn hay sùng chun vì tất cả những từ hạ mê vì ăn đại chuyện mà sùng ở côn lục sậy bạn គុណលើនេះដល់ពេលសំឡំសម្រាប់ហើយសម្រាប់ក៏ពេលនាទីចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 បាទ 5 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ការសម្ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសំឡំរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សំរុំនៅទប់រងចាំសម្រាប់តាក់ទីនឹងអ្នកជំនាញដល់សាក់សីនៅក្នុងអំឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់កិច្ចការនៅក្នុងបន្ទប់សំឡំនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 6:00 នេះសម